Bonsoir à tous, bonsoir les amis et bienvenue à ce live. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou, pasteur associé à l'église ASER Lyon. Je suis très heureux de vous retrouver pour continuer notre étude combien passionnante sur le parcours de croissance du chrétien. Nous avons reçu pas mal de messages, retours, beaucoup ont été bénis par cet enseignement. Si vous ne l'avez pas regardé, il est sur le replay de notre page YouTube. Vous pouvez aller le voir et aujourd'hui, nous allons. Continuer avec la deuxième étape dans notre processus de croissance, qui est donc l'étape d'adolescence spirituelle, de jeûne spirituel. Et on va voir quelles sont les caractéristiques du jeûne spirituel, quels sont, euh, comment dire, les, les, les pièges auxquels ils peuvent être confrontés, quelles sont les choses à apprendre quand on est dans cette phase. De croissance. OK? Voilà, nous allons prier pour remettre ces moments au Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ton esprit qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, merci parce que tu nous fais passer, euh, tu nous fais grandir dans notre processus de croissance et je crois que ces enseignements vont bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous invite à partager ce live à au moins dix personnes. Je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue. Que, ce, que vous soyez à Lyon, à Montpellier, à Libreville, à Paris, à Rennes, peu importe dans quelle ville ou dans quel pays vous êtes, que Dieu vous visite, qu'il vous bénisse là où vous êtes. Alléluia Et surtout qu'il vous fasse croître. Vous savez quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Dieu est un dieu de processus. Dieu est un dieu de miracles, mais il est aussi un dieu de Processus. Il faut pas oublier le processus. Dieu peut tout à fait squeezer le processus parce qu'il peut faire un miracle. Mais au-delà des miracles, bien aimé, n'ignorons pas les processus et le processus de croissance, comme on l'a vu la dernière fois, est un processus très important parce que Dieu ne veut pas que tu restes un enfant baloté et emporté à tout vent de doctrine. Dieu ne veut pas que tu sois. Simon, vous voyez ce roseau qui est instable, d'accord Mais il veut que tu sois pierre, il veut que tu sois un roc, il veut que tu sois stable. Alléluia. Donc, nous sommes ensemble dans cette étude. Nous allons parler aujourd'hui de cette deuxième phase. Donc, euh, si vous n'étiez pas là la dernière fois, nous avons parlé de la phase de l'enfance, donc euh, spirituelle. Les enfants spirituels, ils ont besoin de faire confiance à leurs parents. Quand vous êtes au stade de bébé spirituel, vous êtes dépendant des parents. C'est une phase normale dans le processus de croissance. Le problème, c'est qu'il y en a qui veulent s'affranchir avant le temps et qui se font très mal hein, et qui perdent du temps et qui compromettent leur avenir et leur destinée. Donc, faisons attention, restons sous la protection des parents spirituels que Dieu nous a donné, des bergers que Dieu nous a donnés, des leaders que Dieu nous a donnés. Restons dans notre famille spirituelle pour écouter et suivre les instructions. Euh, la confiance est très importante. Donc on a vu que Jésus grandissait, qu'il croissait, qu'il se fortifiait et grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Je prie que tu grandisses en sagesse, en stature et en grâce, que tu ne fasses pas du surplace. La volonté de Dieu, c'est que tu avances. Vous savez, la Bible dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc en Dieu il y a un mouvement et je me dit que c'était un mouvement vers la croissance, vers la progression, vers l'augmentation. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Il veut que tu le connaisses davantage mais que cette connaissance puisse avoir de l'impact dans ta vie et que toi-même tu puisses grandir. Alléluia. Alors, adolescence spirituelle. Alors, je vais lire je voulais vous lire un passage la dernière fois euh, je vois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, hein, juste pour euh, euh, la transition. 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 1, Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. OK? Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit Moi je suis de Paul et, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Mais qu'est-ce donc Apollos, qu'est-ce ton Paul, des serviteurs par les moyens de vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, il y a cette posture dans laquelle vous devez entrer. Sinon, vous allez rester charnel, vous allez rester un bébé et vous allez manifester les œuvres de la chair, mais Dieu ne veut pas que vous restiez charnel. Et vous voyez, quand on est bébé spirituel, quand on est un enfant, il y a des nourritures spirituelles qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas digérer, d'accord C'est pourquoi on a vu, euh, on parle du lait pur. Mais bien aimé, un enfant ne reste pas au lait. À partir d'un certain âge, on commence à lui donner des potages, on commence à lui donner euh, des purées, on commence à lui donner des choses un peu solides et progressivement. Pour sa croissance, on doit lui donner des choses un peu plus solides. Progressivement, pour sa croissance, on doit amener de la discipline, on doit amener des cadres. D'accord? Et, et dans cette phase euh, de l'adolescence, vous savez, c'est là que la personne veut s'affranchir parce qu'il commence à entrer dans une forme d'autonomie, il commence à, à, à pouvoir euh, se mouvoir. Vous comprenez ça? Euh, dans, je, je parle vraiment des choses spirituelles. Hein. J'essaie de prendre des illustrations naturelles, mais je veux vraiment parler des choses spirituelles. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Donc Dieu ne veut pas que tu restes bébé spirituel, Dieu ne veut pas que tu restes charnel, mais Dieu veut que tu sois spirituel et que tu passes à la nourriture solide. Et c'est Dieu qui te fait croître. Il y a des choses qui ont été plantées dans ta vie, il y a des choses qui ont été arrosées, mais Dieu... Il veut faire croître. Donc, tu peux pas rester bébé. Tu vas passer à la prochaine étape, celle d'adolescent, d'enfant. Donc, 1 Jean, chapitre 2, le verset 14, dit ceci. « Je vous ai écrit père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune Jean, que quelqu'un dise jeune Jean, parce que vous êtes fort, que quelqu'un dise fort, la force. Il dit, et que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu. Et vous avez vaincu le malin. OK? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Écoutez, la jeunesse est caractérisée par la force, par le zèle, par la motivation, l'envie de connaître, l'envie de découvrir, l'envie de vivre ses expériences, l'envie de goûter, de tester des choses. Parce qu'on veut se faire ses propres idées. Papa avait dit de ne pas toucher telle chose. Bon, ben je vais toucher, je vais voir ce que ça fait. Ok, Et finalement, oh, c'est pas si grave que ça. Ou parfois, mince, j'aurais pas dû. Vous comprenez ça Quand on commence à entrer dans cet âge spirituel, on pense qu'on sait, alors qu'on ne maîtrise pas la connaissance en question. On pense qu'on peut, parce que extérieurement, euh, on, on a des, des manifestations d'une de, certaine force. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et beaucoup de personnes se sont euh, grillées les ailes dans cette période d'adolescence spirituelle parce qu'il y avait une force qui les poussait. Il y avait une force qui se manifestait dans leur vie. Bien aimé, ça ne suffit pas. Il y a encore un polissage au niveau de ton caractère, au niveau de ton âme, au niveau de tes pensées. Vous comprenez ça? Il y a un travail. Que Dieu doit faire en toi, euh, il dit, jeunes gens, vous êtes forts, donc la force est la première caractéristique. Il dit, la parole de Dieu demeure en vous. Donc les jeunes spirituels, ils vont aimer la parole, ils vont vouloir comprendre la parole, mais même dans ça, ils vont parfois se perdre dans des sujets qui ne sont pas utiles à leur croissance spirituelle, mais qui flattent leur intellect. Qui flattent leur égo et qui flattent les besoins dont ils ont euh, peut-être à très court terme. Mais ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et, et, et la jeunesse spirituelle est exposée à l'amour du monde. C'est le premier défi des jeunes. Est-ce que l'amour du monde a été tué dans ton cœur Est-ce qu'il y a eu une séparation par rapport à ce que tu étais avant de connaître Christ et ce que tu es maintenant en Christ. La Bible dit si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez Donc, quand on est dans cette fougue, dans ce zèle, on veut vivre des expériences et on est attiré par le monde. OK Mais écoutez, c'est dans l'adolescence spirituelle que la discipline doit nous être appliquée. Vous savez, dans l'amentation 327 la Bible dit, euh, il est bon, je vais vous lire ce passage, hein, de, pour le jeune homme de porter le joug pendant sa jeunesse. Si tu n'as pas encore partagé, mon ami, je t'invite à le faire, parce qu'il y a du lourd, et il y a du lourd ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu peux dire, prêche, prêche, prêche. Prêche, pasteur Yvon, prêche. On est ensemble. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Lamentation 3.27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Les adolescents spirituels ont besoin qu'on leur mette un joug. Pourquoi? Ils ont trop de force, ils ont trop d'énergie, ils ont besoin d'être canalisés. Ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être disciplinés. Vous comprenez Et les jeunes n'aiment pas quand on doit les discipliner, ils n'aiment pas quand on doit les corriger, mais il faut passer par là. Et si tu es un jeune homme dans la foi, tu as besoin de cette discipline. Vous savez, ça n'a pas forcément à voir avec le nombre d'années. J'aimerais vous dire que vous pouvez, malheureusement, dans le corps de Christ, on trouve des personnes qui sont dans la foi depuis 20 ans, mais qui sont encore des adolescents spirituels. 10 ans de vie chrétienne, mais ils se comportent encore. Vous vous dites, mais ils n'ont pas compris. C'est pas possible. Il y, a, il y a des acquis qui n'ont pas été validés. Vous savez, on ne peut pas toujours revenir sur les mêmes choses. À un moment donné, il faut comprendre, il faut accepter, il faut obéir, il faut pratiquer la parole de Dieu. On ne peut pas pratiquer la parole de Dieu à votre place. D'accord et il y a des choses que Dieu doit tester, doit éprouver, doit discipliner dans votre cœur. Il dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Donc, quand on est dans la jeunesse, euh, euh, on, on ne comprend pas pourquoi on va mettre des jougs, des cadres, des restrictions. C'est pour nous discipliner, c'est pour nous donner une forme. OK? Vous savez, vous pouvez grandir et grandir de façon tordue. Si on ne met pas des tuteurs, vous avez des arbres qui poussent tordus. Donc, c'est très important. L'amour du monde doit être tué en toi. Si tu es un adolescent spirituel, c'est là que ton combat se passe au niveau de tes pensées, la gestion de tes pensées. Vous savez, quand on regarde un bébé spirituel, c'est la pagaille totale. Maintenant, quand on devient un adolescent spirituel, on commence à comprendre un peu, à voir les choses, ok Mais il faut mettre de l'ordre et il faut mettre de la stabilité. Dans ces choses. Oh là là, quand on parle de stabilité, c'est l'un des problèmes des jeunes. Ils ne sont pas stables. Ils ne tiennent pas leurs engagements. Ils ne comprennent pas la notion d'endurance, la notion de fidélité, la notion d'engagement. Ok? On le voit dans la parole de Dieu. Euh, lorsque vous lisez, par exemple, Actes des Apôtres au chapitre 15, verset 36 à 38. Acte des Apôtres, Acte chapitre 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable. De ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Est-ce si que vous comprenez ça? Les marques étaient avec eux. Au moment où il fallait aller en Pamphilie, le gars, il s'est défilé. Et ça, c'est le problème de beaucoup de jeunes. Ils se défilent, ils prennent la tangente. OK? Parce qu'il y a le poids des engagements, parce qu'il y a le poids du ministère, parce qu'il y a le poids de la discipline, parce qu'il y a le poids de, de l'œuvre qu'il faut porter. Il manque de consistance, il manque de fermeté, il manque de persévérance. Je prie que ce ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Dieu veut que tu grandisses. Donc, quand tu as ce stade d'adolescence où tu commences à comprendre les choses, tu commences à vivre des expériences avec Dieu, tu commences à tester des choses. Bien-aimé, c'est pas la fin. Tu dois travailler ta stabilité. Tu dois travailler ta consistance. Tu dois travailler en profondeur, apprendre à endurer. Et comme vous lisez comment l'apôtre Paul va parler à Timothée, il va lui dire souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. OK Timothée, c'était un adolescent, c'est un jeune. Mais il, il entraîne avec lui dans l'œuvre du ministère. Donc, cette phase d'adolescence spirituelle, elle est très critique dans le processus de croissance des enfants de Dieu. Un autre point très important, quand on est dans euh, cette phase de jeunes à des, adolescence spirituels, donc on est zélé, on est fougueux, on veut, on veut servir Dieu, on veut prendre des responsabilités, mais on oublie qu'il y a un travail de consistance que Dieu doit faire et surtout qu'il y a des pièges qu'il y a des esprits mauvais qui s'attaquent en particulier à, 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 à ceux qui sont jeunes. Vous comprenez ça Vous savez, le diable, hein, il est quand même assez intelligent pour savoir que quand on est à un certain stade de notre processus de croissance, on a plus de mal dans tel ou tel domaine et c'est là qu'il va nous attaquer, c'est là qu'il va s'investir pour court-circuiter notre destinée. Mais je déclare au nom de Jésus qu'il n'en sera pas ainsi pour toi parce que tu as la parole de Dieu, parce que tu es fort, parce que tu as vaincu le malin et parce que Dieu travaille ta consistance. Alléluia. Regardons ensemble 1 Timothée chapitre 3. 1 euh, Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Vous voyez Aspirer à une charge, ça souvent c'est les jeunes. Ils veulent des responsabilités, mais après ils ne tiennent pas. Ils veulent vivre la gloire et la puissance de Dieu, mais ils ne, ils ne tiennent pas dans les cadres que Dieu met pour qu'ils puissent monter vers ce que le Seigneur a préparé pour eux. Ok Ils ont du mal avec ça. Donc, aspirer à la charge, c'est bien. Maintenant, il y a des exigences. Il dit il faut que l'évêque soit irréprochable. Oh là 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 là. Quand on est jeune, malheureusement, on fait beaucoup d'erreurs. Et on a droit à l'erreur. Le problème, c'est qu'il y a des erreurs qui ont des conséquences plus ou moins graves. Il y a des erreurs qui vont vous coller à la peau et vous suivre toute votre vie. Vous savez pourquoi le diable s'investit beaucoup pour détourner les jeunes Parce que la jeunesse. Est une période tellement stratégique pour Dieu, d'accord Si vous marchez avec le Seigneur, regardez la plupart des grands hommes et des grandes femmes de Dieu ont été appelés. Ils étaient jeunes, ils étaient adolescents, et le Seigneur les a travaillés, le Seigneur les a formés, le Seigneur les a équipés et, et, et il les a utilisés pendant longtemps et ils ont eu un impact. On entend encore parler de, de des centaines d'années après, des générations après, mais ils ont été appelés quand ils étaient jeunes, d'accord donc, il y a un travail de consistance sur le caractère, être irréprochable. Bon, mari d'une seule femme, ça c'est quand on est en âge de se marier. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vous voyez toutes ces choses que Dieu veut travailler dans le caractère de celui qui aspire à le servir, qui est fougueux pour le servir. Okay? Alors, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Honnêteté. Beaucoup manquent d'honnêteté et d'intégrité. Il est Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Écoutez, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe. Sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des pièges que le diable va tendre aux adolescents, aux jeunes spirituels Il y a des choses que ils ne connaissent pas il y a des choses qu'ils n'ont pas affermies, vous comprenez des choses commencent à se mettre en place, mais ça manque de consistance. Et ce manque de consistance peut être à l'origine d'une grande perte. Vous comprenez ça Et je prie que ce ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Je prie que tu sois gardé en Dieu, que le travail de ton caractère soit abouti afin que tu sois un homme de Dieu qui n'a pas à rougir et qui dispense correctement la parole de Dieu, soit attaché à la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois un modèle, Dieu veut que tu sois un exemple, non seulement pour les chrétiens, mais pour ceux de ton entourage. Est-ce que vous comprenez ça Je me rappelle de ce temps de Dieu qui était venu nous faire un, une, une intervention dans notre groupe de jeunes et qui disait, vous savez, moi, j'ai, quand j'étais jeune, les adultes disaient toujours, voilà, les jeunes ceci, les jeunes cela, les jeunes ont des problèmes vraiment pour gérer leur chair. Hein, euh, beaucoup de jeunes chrétiens ont du mal avec la fornication, ils ont du mal avec euh, la pornographie, ils ont du mal avec toutes ces choses. Vous comprenez, qui les, les, les empêche d'avoir une âme euh, bien disposée devant le Seigneur pour ce que Dieu veut faire. Et il dit, voilà, les jeunes font beaucoup d'erreurs, même dans les relations avec les aînés, etc. Et il dit, mais est-ce qu'il y a un jeune ici qui veut s'engager pour faire la différence est-ce qu'il y a un jeune ici qui veut faire la différence? Et moi, j'entendais cet appel et je me suis dit, moi, je veux faire la différence. Si tu entends cet appel, est-ce que tu veux faire la différence? Je te pose la même question. Tu, si tu veux faire la différence, lève ta main et dis, Seigneur, par ta grâce, je veux faire la différence. Je veux être un jeune différent. Je veux être un jeune rempli de Dieu, rempli de la connaissance de la parole, rempli de la crainte de Dieu, rempli de la vie de Dieu et qui plaît au Seigneur et qui marche dans les voies de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Quand on est jeune, on peut prendre des décisions bonnes qui vont avoir euh, eu des conséquences positives jusqu'au restant de notre vie, ou on peut faire des mauvais choix qui vont pourrir notre vie, qui vont compliquer notre destinée. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Quand on est adolescent spirituel, on pense qu'on sait plus que ses parents. Vous avez entendu parler de la crise d'adolescence? Même dans le monde spirituel, ça existe aussi. Il y a des jeunes parce qu'il commence à avoir une expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit, il pense qu'il peut maintenant enseigner son pasteur. Il pense qu'il peut faire mieux que son pasteur. Bien-aimé, je prie que tu ne tombes pas dans cette séduction. Vous comprenez ça Parce que c'est vraiment une séduction du diable qui va t'amener à la perdition. Il faut comprendre que euh, euh, lorsque tu commences à apprendre des choses, Dis-toi bien que ceux qui sont passés par là avant toi l'ont déjà appris. Ils sont certainement à une autre étape d'apprentissage. Ok Donc tu, on ne va pas réinventer l'eau chaude. C'est important de pouvoir garder son cœur et de ne pas tomber dans l'orgueil. Même quand tu sais des choses, tu dois rester enseignable. Ça c'est un des problèmes des jeunes. Ils pensent qu'ils savent déjà et qu'on n'a plus rien à leur dire. C'est une grossière erreur que beaucoup de jeunes et d'adolescents spirituels commettent parce qu'ils sont zélés, parce qu'ils pensent que Dieu leur a dit. L'apôtre a l'habitude de nous raconter son témoignage lorsqu'il était adolescent et que il passait beaucoup de temps dans la prière et dans la présence de Dieu et qu'il croyait avoir reçu du Seigneur, qu'il était le temps pour lui de pouvoir entrer dans, le, dans son appel et dans son ministère. Et. Il est allé voir ses responsables pour leur parler de cette conviction venant de Dieu qu'il avait, et tous lui ont dit non, c'est pas le temps, c'est pas la saison. Et il s'est entêté, il est allé et il a tourné en rond pendant deux ans. Au début, ça a commencé, il vivait des choses, mais progressivement, vous savez, quand vous êtes dans la désobéissance, c'est juste une question de temps. Vous allez vous assécher et vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas avec vous sur le chemin que vous avez emprunté. Quand je dis il n'est pas avec vous, c'est-à-dire qu'il n'approuve pas. Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui nous détournons du chemin du Seigneur. Mais lui dit même quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle, toujours pour nous tendre la main, et nous ramener sur le chemin. Par contre, quand tu t'égares, tu peux aller tellement loin et tu peux te brûler les doigts. Vous comprenez ça. Et il a perdu du temps et le Seigneur lui a dit mais euh, et, et, et il a quand quand il, il s'est rendu compte que finalement ça ne marchait pas, le Seigneur lui a dit il faut que tu repartes voir tes leaders, que tu t'humilies devant eux et que tu demandes pardon. Et là, je vais te restaurer. Et à un moment donné, il dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé directement Il dit, mais j'ai mis des leaders, j'ai mis des responsables, j'ai mis des bergers autour de toi. C'est à toi de les écouter. Et tu n'as pas écouté leurs conseils. Vous voyez ça euh, C'est vraiment du déjà-vu. Dans, dans le corps de Christ, on voit beaucoup de jeunes qui brûlent des étapes. C'est du déjà-vu. Le problème, c'est que c'est une perte de temps. Et en plus de ça, euh, ils se mettent en danger eux-mêmes. Vous comprenez Je veux vraiment vous interpeller à ne pas griller les étapes. Il y a un temps où vous allez porter tellement de fruits que vos leaders ne pourront plus trouver d'excuses que de vous relâcher et de vous libérer dans votre destinée. Vous comprenez ça Très important. Et, et si l'apôtre est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment euh, en, en ayant en étant passé par ces différentes épreuves. Mais écoutez, nous prenons l'enseignement d'un père pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et c'est ça le rôle des pères vis-à-vis -vis des jeunes gens, c'est de leur donner leur expérience pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Écoutez, on dit souvent qu'on apprend de ses erreurs, c'est vrai. Mais vous savez quoi, on apprend aussi des erreurs des autres. À quoi sert-il de refaire les erreurs que les autres ont déjà faites et pour lesquelles nous instruisent? Vous savez, si vous écoutez les conseils, vous allez aller loin. C'est l'une des choses que l'apôtre me disait lorsque j'ai commencé à, à le suivre, à être vraiment à, à ses pieds pour apprendre. Il me disait, Yvon, si tu écoutes mes conseils, tu vas aller loin. Si tu suis mes instructions, tu vas aller loin, tu vas réussir, tu ne vas pas te brûler les doigts. Et ça était le cas. Je suis allé, je suis allé très vite, je ne me suis pas brûlé les doigts et je bénis Dieu pour l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui et ce par quoi je suis passé. Je ne suis peut-être pas encore arrivé, mais je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, vous voyez. Mais c'est important d'écouter. Et ça, c'est l'une des choses que les jeunes, les jeunes ont du mal avec ça. Ils ont du mal avec ça parce qu'ils pensent qu'ils sont capables d'assumer. Ah, écoutez, il y a des esprits de séduction qui viennent pour vous faire croire que vous êtes déjà arrivé, que vous pouvez tenir tout seul alors que vous n'avez même pas été testé, éprouvé et validé dans le temps. Okay? Et c'est là où beaucoup de personnes se soustraient au cadre que Dieu met pour eux. Quand on est adolescent, c'est ça euh, les défis auxquels on rencontre. Bien-aimé, il faut que tu passes une adolescence saine. Dieu ne veut pas que tu sois en crise. Dieu veut que tu passes ton adolescence spirituelle, que tu vives des expériences, mais que tu écoutes tes leaders, que tu écoutes les conseils. C'est dans ton propre intérêt. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur se révélera à toi. Vous savez, il y a cette tendance euh, à vouloir entrer dans le ministère, entrer dans son appel. Et, et beaucoup abandonnent leurs assemblées. Vous savez, dans Hébreux 10, 25, Hébreux 10. 25. La Bible est très claire. N'abandonnons hein? pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a une tentation, d'accord, que Dieu, euh, comme on n'est pas, pas que Dieu, il y a une tentation à laquelle souvent, quand on est zélé et motivé pour Dieu, on pense qu'on peut s'affranchir soi-même. On pense qu'on peut s'introduire soi-même dans le ministère. Moi, bon, je me rappelle de cette parole que Dieu m'a donnée il y a plus de 18 ans de cela maintenant. Et il me disait Écoute, le pasteur Alain-Patrick, je te mettrai à côté de lui. C'est lui qui sera ton père dans le ministère. C'est lui qui va t'introduire dans le ministère. Tu restes là et tu l'écoutes. Bien aimé, ça fait 17 ans, plus de 10, ça fait plus de 18 ans que ça dure. Et j'ai suivi le cadre que Dieu m'a donné. Vous comprenez ça C'est pour notre propre sécurité et c'est pour la sécurité de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ça Très important. Donc, ne prends pas des initiatives qui vont t'exposer toi-même, qui vont te mettre en danger et qui vont t'exposer à des combats. Que tu n'es pas prêt à assumer parce que ce n'est pas le temps. Vous comprenez ça Ce n'est pas le temps. Donc, il faut comprendre que Dieu travaille avec nous étape par étape. Et comme on l'a vu, il ne veut pas que l'on reste bébé spirituel. Il ne veut pas que l'on reste euh, des enfants. Donc, à un moment donné, tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois grandir dans la mise en pratique de cette parole. Tu dois grandir dans les expériences réelles avec Dieu. Et ta relation avec Dieu doit, quand tu es un adolescent, tu dois savoir que Dieu veut que tu sois un modèle. Et je vais vous donner le passage. Donc, c'est dans intimauté. Intimauté. Chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, ne te rends pas méprisable, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des, des mains de l'Assemblée des Anciens. Vous voyez, quand on est jeune, on doit être soumis aux Anciens, parce qu'ils ont des choses à nous transmettre. Est-ce que vous comprenez ça? Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, il y a ton salut qui est en jeu, il y a ta destinée qui est en jeu, et il y a la destinée de ceux qui t'écoutent qui est en jeu. Dieu veut utiliser la force de ta jeunesse pour faire des exploits. Dieu veut utiliser l'énergie de ta jeunesse pour faire de grandes choses. Mais c'est important que tu comprennes que la fidélité dans les petites choses nous qualifie pour le plus grand. Et Dieu ne va jamais te demander de gravir une montagne avant de te demander de pouvoir euh, euh, faire des choses simples. Vous comprenez ça Donc, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera le plus grand. Je prie vraiment que tu ne restes pas un adolescent spirituel. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années, mais il faut que tu grandisses et que tu deviennes stable, que tu deviennes mature. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer la prochaine fois et nous parlerons de stade d'adulte spirituel et de mature spirituel. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à les de Lyon ou alors nous envoyer un mail à contact Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur Lyon.